Shalom, je suis le prophète Joël Crasso, le maréchal de la brigade anti-sorcier, le responsable du ministère de la compassion des âmes, le responsable du camp de prière Peunier dans le département de Divo, à Zaroko, dans la sous-préfecture de Iré. Nous sommes à cette date de. Aujourd'hui, c'est le 28, c'est ça? Le 29. Nous sommes aujourd'hui 29, jeudi 29. Nous sommes en plein séminaire. Retraite spirituelle. Hier, je n'ai pas pu partir parce que j'ai un souci de voiture, véhicule. Ça fait maintenant troisième jour aujourd'hui que ma voiture m'a lâché. Le moteur est carrément bousillé, irrécupérable. Et en même temps, j'en profite pour dire merci. Merci à Audrey Kwaku, cette fille que je n'ai jamais vue. On s'est peut-être vu sur le Skype, qui a appris. Que la voiture, parce qu'elle avait les images et tout ça, qui m'envoyait de l'argent. J'ai dit merci aussi depuis Washington à l'homme de Dieu qui est le général. C'est vrai que moi je suis le maréchal, mais dans la brigade il y a des gens aussi qui sont aussi des coins, tels que l'homme de Dieu Kwasi Lenoir depuis Washington. Merci pour ton Wansan Union, pour ton soutien. Et quand il a vu les images, il m'a appelé tard hier dans la nuit pour dire « Maréchal, je te soutiens dans le combat. » Il a toujours le fait, ce frère, cet homme de Dieu, un puissant homme de Dieu. Depuis Washington, Kwasi Lenoir, merci pour ton soutien. Et je dis merci à Honorine Bado qui est de la région de Iré. Elle est même Dida de Iré. Elle aussi qui nous a envoyé aussi de l'argent. Merci pour ceux de Brésil qui veulent m'acheminer une voiture ici. Merci aussi pour Norvège, merci. Merci pour les frères qui sont en Norvège. Merci aussi pour ceux du Canada. Merci pour ceux d'Autriche, de l'Australie. Parce que j'ai eu beaucoup de fils, les gens qui m'ont appelé, qui m'ont soutenu. Sans doute oublier des gens qui ont l'habitude de me soutenir, tels que ce sont mes mamans d'ailleurs, Elisabeth Dubé, Louise, Adèle depuis Lyon. Voilà, dès depuis Lyon, Jeannette, tout ça, c'est ceux de Zaroko. Mais j'ai été vraiment choqué encore, je dis encore, parce que hier carrément, il y a des cadres, il y a des gens de la région dont je ne dirai pas le nom, qui m'ont carrément nargué, qui m'ont quand même insulté. Mais est-ce qu'on t'a dit de venir dans notre région? Si ta voiture est gâtée, tu as besoin de faire une publicité. Il y a des gens qui sont des cadres qui m'ont appelé pour carrément m'insulter. Mais il faut dire que c'est... J'ai pris mon mal à patience, j'avais compris. Et j'ai dit, ces personnes-là, je pense bien que ce sont des représentants de Satan. Par moi, nous prenons les risques. Je vous dis un temps, ma laguna que vous voyez, elle n'est pas adaptée à cette voie de Iré. Et en même temps, je reste dans ce village, je rentre souvent 1h, 2h du matin. Cette voie, je l'emprunte 1h, 2h du matin, je viens ici Divo. Je reprends ça encore. Je reste de 16h, je suis debout de. Souvent de 1h du matin jusqu'à 9h du matin, en train de prêcher aux gens. Aujourd'hui, le cimetière des Zaroko est fermé. Dans le canton Vata, il n'y a plus de mentalité comme ça. Aujourd'hui, et c'est vous qui m'insultez. Et il y a des images qui... Mais, gloire à Dieu, le combat, il continue. Voilà, il continue. Merci. Merci pour ceux qui me prennent dans le cœur. Merci pour ceux qui pensent que l'homme a droit à la vie, parce que c'est ça notre combat. L'homme doit vivre. L'homme doit vivre et l'homme a droit à la vie. Merci pour tous ceux qui me soutiennent. Merci. Et merci à quoi? Merci à quoi? De plusieurs qui a même demandé le numéro de la série du moteur pour l'acheter. Merci pour l'argent que vous avez envoyé. D'ici la semaine prochaine, nous allons vous montrer le moteur et nous allons, et si c'est assez, nous allons même acheter une voiture. Merci et que Dieu vous bénisse. Bonne journée. J'appuie là toujours.